Pendant plus de 100 ans, l'océan s'est battu contre son plus grand ennemi, la pollution. Il faut l'arrêter avant qu'elle n'empoisonne nos océans et blesse les créatures qui vivent là. La seule façon de la vaincre, c'est... Moi ! Je peux vaincre la pollution ! Hein ? Eh bien, j'allais dire, la seule façon de défaire les déchets de mer est de travailler ensemble. Mais nous tous, toi inclus, Caillou. On peut aller sous l'eau maintenant ? On reste sur terre pour nettoyer les déchets de la plage. On va arrêter les déchets avant qu'ils n'arrivent dans l'océan. Eh bien, buvez de l'eau, séparez le recyclable et demandez à un adulte s'il y a un objet tranchant ou besoin d'aide. En place et prêt. C'est trop ennuyeux. Je ne suis pas le seul à nettoyer la plage, mais peut-être je peux être le plus rapide. Je vais gagner contre les déchets. Une canette, du métal. Le papier s'envole partout! Pas sous ma carte! Ouais! Oh non! La lumière est si forte! Fatiguée. Très bien, Caillou. Tu as rendu la plage bien plus sûre et propre. Je vais prendre tes sacs pleins. En voici de nouveau à remplir. Merci. Je ne suis pas sûre d'avoir pu les rapporter par moi-même. Oh, bien sûr. On est une équipe, tu te rappelles? Oui, c'est ça. On est une équipe. Hé, écoutez tous, j'ai une idée. Vite, tout le monde! Il faut travailler tous ensemble! C'est une batterie. Il me faut Les batteries sont dangereuses. Tu as eu raison de nous appeler, Caillou. Merci. Eh bien, oui. Merci
merci pour ce dur travail. La plage et l'océan sont bien plus sûrs et propres. Et qui est prêt à célébrer avec des crèmes glacées? J'aime les glaces. Oh, wow. Ah. Le job du héros n'a jamais de fin. Hé, Caillou. Grand-père. Avec quoi est-ce que tu joues? Mon jeu de billes. Ça a l'air compliqué. C'est vraiment chouette. Il y a quoi dans le sac? J'avais ce jouet quand j'étais petit. C'était à ton père aussi. Oh, un train électrique? Wow, c'est vraiment super, grand-père. Je faisais rouler cette chose à toute allure dans la maison à ton âge. De la cuisine, au salon, au jardin. Oh. Bon, je ne devais pas le faire rouler vite dans toute la maison et le jardin. Je veux qu'il roule ici très vite. Les trains ne veulent pas tous aller vite, Caillou. Parfois, ils veulent ralentir et profiter de la vue. Faisons un rail lent et régulier, dans un cercle sûr et simple. Ok. Peut-être qu'il peut monter là et faire un looping et faire exploser les confettis. Je ne pense pas que ce train puisse faire des loopings, mais il peut prendre un virage. Bon, bien du plaisir. J'ai promis à maman de faire le ménage avant son retour. Ok. Salut, papa. Et là. Voilà. Ouais, un petit cercle normal pour un petit train normal. Et maintenant, attention! Tu vois, c'est pas beau ça, Caillou? Je peux le regarder une journée entière. Comment ça va ici? Oh, grand-père Da. Oh, il est très bien ton train, Caillou. J'espérais qu'il aille plus vite. Grand-père accepterait qu'il aille un peu plus vite. Wow. Je peux le faire, papa? Bien sûr. Génial! Ce serait bien d'avoir les voies longues comme mon jeu de billes. Grand-père accepterait qu'elles soient un peu plus longues. Peut-être été un peu trop loin. On doit le défaire? Ouais. Oh. Mais peut-être qu'on peut l'essayer d'abord. Prêt, papa? Prêt, Caillou.
Dernière partie. Qu'est-ce que... Surprise! Mon train! Je suppose qu'il voulait aller vite. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense qu'on s'est trop bien amusé. On dirait que le vent de la tempête a fait tomber l'arbre. L'arbre va relever? Je ne pense pas, Mousseline. Oh, ma balançoire! Ça se répare? Désolée, Caillou. Faut dire adieu à la balançoire aussi. Mais... j'aime pas dire au revoir. Oh? Mais où Gilbert va s'asseoir? L'arbre était son endroit favori. Je me rappelle la première fois que j'ai apporté Gilbert à l'arbre. Voici ta nouvelle demeure, Gilbert. C'est le jardin. Oh! Oh, Gilbert! Toutes ces nouveautés te font peur, hein? L'arbre est gentil, Gilbert. Les arbres donnent l'ombre et on peut s'asseoir dessous quand on est fatigué. Comme ça. Et du tout en haut des branches, tu peux voir vraiment tout. L'arbre n'était pas seulement le favori de Gilbert, mais aussi celui de Mousseline. Mousseline aime arbre. Caillou, quelqu'un veut te rencontrer. Dis bonjour à ta petite sœur, Mousseline. Ne t'inquiète pas, Caillou. C'est normal que les bébés pleurent. Comment la faire arrêter? Il faut juste qu'on trouve le moyen pour que Mousseline se sente mieux. Je sais. Il y a peut-être trop de lumière. Peut-être qu'un câlin de son grand frère favori aiderait. Un câlin de moi? Mais elle est si petite. Mais essaye donc. Tu es son grand frère après tout. Mais je ne sais pas comment être un grand frère. Il faut bien tenir sa tête. Elle ne pleure plus. Tu as la formule magique. Tu vois, tu es déjà un super grand frère, Caillou. Ouf! Eh bien, mon meilleur souvenir de l'arbre date de bien avant ça. Mon préféré est le jour où nous avons emménagé ici.
On a planté l'arbre ensemble. Quoi? On a planté l'arbre? Je ne m'en rappelle pas. J'étais où? Tu n'étais pas encore née. Tu étais dans mon ventre. Une maison neuve, un nouvel arbre et bientôt un nouveau-né. Cela fait un peu beaucoup. C'est normal de s'inquiéter quand tout est nouveau. Mais ça peut quand même être bien. Il faut prendre les choses jour après jour. Bon, c'est bien. Maman, Caillou, voulez-vous me faire l'honneur? Mais bien sûr. Maintenant, on fera de nouveaux souvenirs avec cet arbre. En pensant avec tendresse à nos vieux souvenirs. Mousseline, Super Caillou, va chercher ta balle. Voyons voir. Ah, super! Tu peux prendre la balle, s'il te plaît? Super Gilbert, c'est lui. Et voilà. Waouh! Toi et Gilbert n'êtes pas juste des super-héros? Vous êtes des gentils super-héros. Gentils super-héros? C'est quoi? Ben, tous les héros sauvent les gens des méchants. Mais les gentils super-héros font des actes de gentillesse aussi. Juste pour faire plaisir aux gens. Oui, j'aime bien cela. Qu'en penses-tu, Gilbert? Prêt pour être un gentil super-héros? Bon, allons-y! On a fait un super boulot à être gentil aujourd'hui. Aidez-moi! Ah,
dangereux. C'est un boulot d'expert. Allons, Super Gilbert, pas de temps à perdre. À l'aide! À l'aide! T'inquiète pas, on te ramène en sûreté sur la plage. Vite, les requins se rapprochent. Allons, Super Gilbert! Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois le sauver des requins! Caillou, même les super-héros ont peur des fois. Et Super Gilbert n'aime vraiment pas l'eau, tu sais. Oh, désolé Gilbert. C'est pas grave. Peut-être Super Gilbert peut t'aider autrement. Je pensais qu'on serait le dîner des requins. Ouais, et merci de nous sécher aussi. Ouh. Ouh. Tu as été super. Tu as fait de ton mieux, malgré que tu aies peur. C'est super brave. Et gentil. Vous deux avez fait tant de bonnes choses aujourd'hui. Et je pensais... qu'aucun gentil super-héros n'est complet sans une cape. Alors, voilà! Wow, merci, maman! Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Caillou. Ah. Maman! Maman! Quoi, Caillou? Tu as vendu la vache? Ouais, je l'ai échangée pour des haricots. Haricots? Mm-hmm. Ce sont des haricots magiques, maman. Oh, Caillou! Sa mère ne l'a pas cru, mais Caillou savait que les haricots étaient magiques. Il les a plantés dans le jardin. Le jour suivant, la géante tige du haricot a poussé jusque dans les nuages. Alors Caillou est monté tout en haut pour voir ce qu'il y avait là. Ce qu'il a trouvé en haut de la tige était... un grand, terrible géant! Fifafo! Caillou! 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 Fifafo! Mais c'est quoi tout ce bruit? Tu devais aider Mousseline à s'endormir, Caillou! Désolé, papa. Je vais lire une autre histoire. Très bien. Bonne nuit, vous deux. Bonne nuit. Oui. Alors, c'est l'histoire de... la petite Mousseline rouge. La petite Mousseline rouge a porté un panier de nourriture chez sa grand-mère. Mais en chemin, elle rencontra le grand méchant Histoire. Oh! Ah!
Mousseline Boucle d'Or a trouvé une maison dans les bois. Elle était fatiguée et avait faim. Elle frappa à la porte. La porte était ouverte, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Allô? Oh! Mousseline Boucle d'Or a trouvé une table avec de délicieuses spaghettis dessus. Le premier bol était trop chaud. Et le deuxième bol, trop froid. Mais le troisième bol était juste bien. Mousseline Boucle d'Or, très fatiguée, cherche un endroit pour dormir. Elle trouva trois lits. Le premier était bien trop grand et mou. Le deuxième était trop dur. Mais le troisième lit était juste bien. Mais soudain, les trois ours qui vivaient dans la maison sont rentrés. Qui est en train de dormir dans nos lits? Les ours étaient très en colère après Mousseline Boucle d'Or pour dormir dans leur lit. Mais ils décidèrent de la laisser dormir. La fin. Nuit, Mousseline. Ensuite, qu'arrive-t-il? Bonjour, Caillou. Désolée, Madame Martin est malade, mais je suis contente de t'avoir dans ma classe aujourd'hui. J'ai le trac, maman. Je sais, Caillou. Peux-tu être courageux, juste pour aujourd'hui? Salutations, vous tous. Ceci est l'humain Caillou. Veuillez donner la salutation humaine. Super sac à dos, Caillou. Assieds-toi là pour aujourd'hui. Je voudrais que tout le monde soit super accueillant, d'accord? Aboiement vers le futur. Vraiment très drôle. Délicieux. Y a-t-il un problème, Caillou? Je n'ai jamais fait cela avant. C'est pas grave, Caillou. Les premières fois sont toujours dures. Oh. Allez, c'est la récré.
maman. Les martiens jouent à chat, mais avec de drôles de règles. Désolé, Caillou. J'essayais de te geler sur place. C'est pas grave. C'est à mon tour. Non, tu es gelé. Oh. Un badge d'espace de maman. Je dois montrer à maman comment c'est ici. Oh, comment est-ce que vous allez, Ubuntu? Acrobatique ou pas là? Ibo. Hein? J'ai dit dessin sympa. J'adore les martiens. Oh, merci. Tu ne penses pas qu'ils se font peur? Un petit peu, mais ils sont géniaux. Ouais. Leurs yeux sont super grands et ils font briller leurs mains et un robot leur donne de vraies étoiles pour leur art. Oh, j'adore les robots. Je peux en dessiner un? Ouais. Maman, la nouveauté ne fait pas peur après tout. Chat. Le chat gelé, tu te rappelles? Écoutez tous, je sais qu'on est tous excités aujourd'hui parce que c'est journée costumée. Rappelez-vous, la seule règle du déguisement, c'est de porter quelque chose qui vous fait plaisir. C'est ça. Eh bien, qu'attendez-vous tous? Go! Choisis quelque chose pour qu'on puisse jouer. Je ne suis pas sûre. Commencez, je vous rejoindrai. Mais il n'y a pas de trésor? S'il y est,
Il... Le trésor est... C'est le trésor perdu de la récré. Mais attention, ninja. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, on les combat. On peut peut-être s'envoler. Il nous faut de l'aide. Jeffrey. Je suis une fée guerrière. Waouh, trop bien! Tous les autres costumes étaient pris? Non, j'aime bien celui-ci. La magie, c'est génial. Mais la fée, c'est un costume de fille. Mais pas du tout. Si, ça l'est. Ça l'est? Pourquoi? C'est juste ce que je voulais porter. Tu pourrais être un viking. Ou un pirate, ou un... Non! Oh! Jeffrey a perdu sa baguette. Ça n'était pas très gentil. On lui a juste dit que c'était un costume de fille. Pour qu'on puisse l'aider à choisir le bon. Ah! Souvenez-vous de ce que Mademoiselle Martin a dit. La seule règle du déguisement, c'est porter quelque chose qui vous fait plaisir. Il avait l'air d'avoir du plaisir. Et Jeffrey, tu as laissé tomber ta baguette magique. J'en veux pas. Mais t'en as besoin pour battre les ninjas. Et tu as besoin de tes ailes pour voler. Ta fée guerrière était vraiment bien. La magie, c'est ce qu'il y a de mieux. Désolée pour ce que j'ai dit de ton costume, Jeffrey. Porte vraiment ce que tu veux. Et si ça te fait plaisir, alors c'est parfait pour le jour costumé. Baguette magique. Écoutez tous, on est ici pour notre premier voyage de camping. On dormira sous les tentes, nous verrons la nature, on rôtira les chamallows au feu du camp. C'est excitant, mais il faut faire attention et, le plus important, écoutez ce que Madame Jasmine et moi vous demandent. Madame! Quand on est dans la nature, il faut faire attention. Scout Caillou, pourquoi faut-il être sur ses gardes dans la nature? Ainsi on peut être prudent et s'amuser. C'est ça. Bon, d'abord il faut tous monter les tentes. Suivez-moi, Scout. Thank you.
Caillou? J'ai juste un peu peur de devoir dormir dehors. T'inquiète pas, Caillou. Camper ici, c'est super. On peut rôtir des chamallows autour du feu. Oh, et quand la nuit tombe... C'est bien ça, Clem. Je n'aime pas la nuit. Ça fait peur. Et je n'ai pas ma veilleuse ici. La nuit ne fait pas peur. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand la nuit tombe, on peut observer et voir chacune des étoiles. Chaque étoile? Clémentine? Que se passe-t-il? Ça va aller? Maman! Oh! Oh! Tout va bien, chérie. Je l'ai eu. C'est juste une coccinelle, Clem. C'est pas grave. Merci de me sauver, maman. Je veux dire, Madame Jasmine. C'est pas grave, Clémentine. T'as eu peur. Tu n'aimes pas les bestioles. Tu as peur des coccinelles? On a tous peur de quelque chose, Caillou. Regarde. Oh, wow. Elles sont tellement nombreuses. Si jolies. Les lucioles sont merveilleuses. Des bestioles! Ouais! T'en fais pas, Clem. Elles te feront pas de mal. Elles volent comme des petites lumières vives. Ah, oui, elles sont assez agréables à regarder. Hé! Hey, elles feraient des bonnes veilleuses de nuit, n'est-ce pas? Bonne nuit, Clémentine. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien, bonne nuit, vous tous. Allons dormir, s'il vous plaît. Que veux-tu faire, Mousseline? On peut aller sur les montagnes russes. Oui. Aller nager. Plouf. Ou jouer aux jeux d'arcade. Non, on fait les canards après. Je pense qu'on devrait... C'est quoi ça? C'est super! Cours! Vite, cachons-nous ici! Nous serons ici à l'abri de Gilbert. Il faut que quelqu'un nous protège. Qui peut nous défendre? Ah, Teddy? C'est ça, Teddy. Il nous faut arriver à lui dans le salon. Prête, Mousseline? Prête. Allez! Oh non! Maman nous bloque la route. Maintenant. L'aspirateur, ça va nous aspirer. Ici, c'est mieux. Mmh.
secours. Vas-y sans moi. Sauve ta peau. Caillou, ça va aller? Oui, maman, ça va. Hein? Mais alors, d'où vient ceci? T'as vu cela, Mousseline? On a vaincu l'aspirateur. Gilbert n'est pas de taille face à nous. Oh, Caillou? Il a eu peur d'un aspirateur, mais pas moi. Caillou! Il est derrière moi, n'est-ce pas? C'était juste. Cela devrait aller, si on ne bouge pas du tout, du tout. On a réussi. Je réfléchis. Gilbert arrive. Qu'est-ce qu'on va faire, Mousseline? Mousseline? C'est ça. On peut monter pour arriver à Teddy. Bonne idée, Mousseline. Voilà Teddy. Je pense qu'on devrait... En fait... Que veux-tu faire, Mousseline? T'as eu raison toute la journée. C'est vrai, Gilbert déteste l'aspirateur. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Désolée, je t'ai pas écouté avant. Tes idées étaient juste tout ce temps. Tu veux jouer encore dans ma chambre? Je promets d'écouter cette fois. On pourrait nourrir les canards. On joue aux canards!